Et bonjour à tous, c'est Kim en off pour cette nouvelle vidéo de Need for Speed. Et j'ai amélioré en off tranquillement la Toyota pour que elle arrive à aller. On est à combien? Attendez, on est à 246 et je peux pas faire mieux en fait parce que sinon c'est la mort. C'est totalement la mort. On va tester avec la voiture comme ça, telle quelle. J'espère que ça va fonctionner. Alors, allez, on se casse. J'espère que ça a fonctionné quoi, parce que voilà quoi. Tiens, par contre, je serais curieux de voir les feux à l'arrière, quel design ils ont. Je serais assez curieux. Est-ce que c'est le rond? Ah, c'est le rond. Ah, oh là là. Ah, oh là 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 là, il faut que... Ah, ouais. Bon, j'ai quand même mis le nitro quand même. Je plaisante pas trop avec ça. Par contre, le nitron, il poutre pas. Hein. Attends. On va modifier le nitro. À modifier le nitro, je pense que je l'ai mis sur durée et j'ai plutôt envie de le mettre sur force pour qu'il ait un bon coup d'accélération là à la voiture. Ou du moins l'orienter vers la force, mais pas tout. Non, c'est pas ici. Ici. Il me semble que c'est là, oui. On va utiliser là, on va le mettre à ça. Normalement, ça devrait avoir un peu plus de pêche. Quitte à se traîner, enfin. Faut qu'on puisse bourrer, hein, bourrer efficacement. Surtout, il me semble que c'est une épreuve de vitesse, il y aura peut-être des drifts, et à la fin des drifts, j'aimerais bien pouvoir me relancer assez rapidement. Donc pour ça, il me faut un nitro avec de la force. T'as vraiment l'impression d'avoir une BRZ quand même, mais non, 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 c'est la Toyota. Alors sinon... oui, Spike, il est en haut. Voilà. Moyenne quelle est comme épreuve, très bien. J'espère que ça passe, j'espère que ça passe. Pourquoi la freiner? Pourquoi t'as freiné? Quelle lenteur. Allez, Spike, faut que tu tiennes le coup. Ouais, tu parles, pour toi c'est facile à dire, mec. Amy assure, le nouveau assure. Et moi, qu'est-ce que je deviens? Toi, tu gardes le cap. Ouais, et ben le cap, j'ai du mal à le voir très vite. Écoute, prends les choses comme elles viennent, Spike. Venez à l'atelier tous les deux. J'ai une petite idée derrière la tête. Compris, Spike? Oh! Ouais, j'ai compris. Alors rendez-vous là-bas. Allez! Mais comment j'ai pas l'impression d'aller à 160 quoi? Allez! Voilà, c'est passé. Jeune excité. Eh ben, c'était plutôt lent, je sais pas si tu peux mettre excité.
Bien, alors. A-t-on des nouvelles? C'est vrai que la Toyota est quand même vraiment stylée, quoi, quand on y pense. En fait, il y a quelques. Il y a bien sûr de grosses similitudes avec la BRZ. Mais l'avant, enfin les prises d'air sont pas positionnées de la même façon. C'est un changement très minime, vous me direz. Mais ça change quand même. Ça change quand même. Et puis elles n'ont pas du tout le même comportement. Entre la BRZ et la GT86, il n'y a pas du tout le même comportement. La GT86 est plus orientée comme Toyota Supra que la BRZ. La BRZ, elle est orientée comment? Il me semble que tu peux presque pas faire de drift avec la BRZ, alors que la Toyota GT 86, elle est là. En fait, elle a surtout été faite pour essayer de remplacer la Supra, en fait. Mais c'est con, Toyota vient d'officialiser qu'ils allaient sortir une nouvelle Toyota Supra. Donc bon, c'est quoi cette arnaque? Elle sert à quoi cette GT 86, quoi? Elle sert à rien. Spike, rappel. On peut pas sortir le téléphone au pire? Non. Voilà. Message. Mec, mon téléphone explose, c'est dingue! Même mon perroquet sait ce que t'as fait. On est en route. On va frapper encore plus fort, Mister Drift. Mister Drift. Faut que je change de voiture. Ça viendra. J'espère. Hey, j'ai plein de bons échos sur tes performances. Continue. Approche. Elle s'inspire du travail de Nakai-san. Salut, mec. Hey, Spike, reste pas là. Bouge. Vas-y, détends-toi. Alors, je vais t'expliquer en gros. La clé du projet, c'est l'équilibre. Je taffe pas pour les autres. Je taffe pour moi. Il faut énormément de temps et de travail pour passer du rêve à la réalité. L'origine des pièces, c'est pas important. Suspension pneumatique ou frein japonais, on s'en fout. L'important, c'est toi. Ou ça te plaît, ou ça te plaît pas. Et retour mon petite coupure. Donc on reprend, on a réussi, on a eu la cinématique. Ouais, donc la cinématique, c'est plutôt cool. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de nous dire par la cinématique, mais c'est pas grave. On va remodifier la BRZ, la remonter aux performances qu'elle avait. Qu'elle avait. Donc alors attendez. C'est ici. Tu avais. Ça. Ah, t'avais pas ça. Maintenant tu l'as. Mince. Voilà. Tu avais ça. Tu avais ça. Ceci. Ceci. Ça. Ça, il me semble pas qu'on y a touché. Attends une minute, je peux savoir pourquoi j'ai pas mis ça? Voilà. Voilà, si en même temps en plus je peux faire l'update de la BRZ. Voilà. Donc là, ça m'a l'air bon. Waouh! Attends, ça baisse!
Waouh. Bon. Bah écoute, la BRZ est prête. Donc maintenant, tout dégage. Ah mais quand je dis un truc, je le fais. Il y a quelque chose que je souhaiterais modifier sur toi. Ici. En majuscule. Voilà. Là, on est cool. Là, on est bon. Magnifique. Ah, mais les feux, on peut toujours pas. Pourquoi? Oh, aucune pièce dispo. Non, mais c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que vous foutez? Ah, le diffuseur, ça fait longtemps que je veux le changer. Ça fait longtemps. Non. Voilà. Non, ça, on a vu que ça changeait rien. Mouais. Je regarde un peu. Ouh. Là, vous voyez, là, on sent que c'est nul. Là, franchement, pas terrible. Mais là, maintenant, il y a un truc magnifique. Magnifique. Vous savez quoi? Je l'installe. C'est incroyable. Voilà. En fait, le changement est juste nul. On va enlever des stickers. Tac. Ça paraît pas mal, ça, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est hideux. Dégage. Sors de ma vue. Ouh là là. T'es niveau 39, c'est pas sérieux. Non. Ça, c'est quand même les trucs que tu ne vois pas vraiment en fait sur ta voiture quand tu roules. Déjà parce que quand tu roules, tu vois ta voiture de derrière. Mais les autres joueurs ne le voient pas vraiment parce que déjà, un, dans le jeu, il fait nuit 24h sur 24. C'est en bas de la voiture, il y a l'ombre et tout, donc on ne le voit pas, la lame. On ne la voit pas. Donc au final, pourquoi la changer? Pourquoi? Le capot, je sais pas s'il y avait des trucs intéressants au niveau du capot, de la teinte. Non, c'est bien comme ça. C'est très bien comme ça. Donc voilà. Bah, le logo que j'aimerais bien retirer quand même. J'aimerais bien retirer le logo, peut-être changer les feux, malheureusement on peut pas, je sais pas pourquoi. Aucune pièce disponible, bon. C'est pas trop grave. La lambeau. On n'y touche plus. Peut-être au niveau des jantes comme ça, parce que dans le garage ça me dérange un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Amy? Hey mec, t'as jeté un œil à ta suspension? Il faut que la puissance passe au sol. Alors, tu sais quoi? Je te laisse faire le nécessaire. Oui. Écoute, on va regarder vite fait. Est-ce que tu vois une suspension? Oui. J'attends le prochain coup de téléphone. Là, ça ne sert à rien. De toute façon, après, l'argent va commencer à manquer. 40. Et puis, de toute façon, ça baisse les perfs. Oh. Bien, ça. Là, ça baisse. Et tu sais quoi? On s'en fout. Voilà. Oh, le mec il grappille des chevaux. Le mec il est là. Ah,
Ça m'énerve, ça baisse et tout quoi. Non. Non. L'embrayage. Il est vachement mieux celui-là. Celui-là. Celui-là aussi. Faut mettre celui-là. Voilà. Tac tac tac. On a un nouveau nitro, autant le mettre. Et ça, on vient juste de le changer, le différentiel, on peut pas mettre plus. Très bien. Côté pneu, tiens. Alors attends. J'hésite. Il faut tester. Il faut tester. On fait ça. Ah, alors Amy, qu'est-ce qu'il nous dit? Salut. Salut. J'ai pensé que t'aurais rien contre un peu de drift. Règle ta suspension. C'est toi qui sais, mais j'ai l'impression qu'elle avait du jeu. À toutes. Ok, attends. T'es en train de me dire que depuis le garage, attends, je peux aller là? Oh mon dieu, épreuve difficile. Oh ma gueule. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le gâchis, ça va être. Non mais écartez-vous. Mettez des barrages sur les côtés, que personne ne rentre avec moi dans cette zone, parce que ça va être une tuerie, quoi, le machin. Oh là là, quoi. Hé hey mec, tu te la joues perso? Quoi? Oh, je te jure. Eh ben non. Oh, mais je laisse même pas parler quoi. Oh, une autre lambeau. Oh, encore une autre lambeau. Oh, une autre. Il y a trop de lambeaux ici. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. What? On s'est tous fait avoir. Ça tourne pas, tourne. Oh merde. Juste un petit peu trop serré, vois-tu. Et c'est impressionnant quoi, tu tournes avec le muret quoi. Camion. Moment parfait. Va vraiment falloir que quelqu'un m'explique à quoi ça sert ce machin. Allez, laisse-moi passer. Passer la lambeau. À l'intérieur, l'intérieur. Bon, parfait. Aïe.
Troisième, il y a quelque chose quand même. Troisième, il faut peaufiner ça dans le garage, les gens. Ouais, faut peaufiner ça. Faut qu'elle tourne plus. En plus, la mission ne change pas. Oui. Donc, il faut que cette lambeau tourne plus. Ah là 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 là. Que des modifs, que de modifs. Bon, moi, je vous dis à plus, tout le monde, pour la prochaine vidéo de Need for Speed 2015. J'espère en tout cas que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou de liker, bien sûr, liker c'est une aide énorme pour moi. Et donc je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.